Salut à toutes et à tous. Vous le voyez, le public a répondu présent aujourd'hui. Très bonne nouvelle, il fait beau, les conditions de jeu sont parfaites, on devrait se régaler. Et nous aurons, Pierre Ménès et moi, le plaisir de vous commenter cette rencontre. Les amateurs de foot français vont être servis avec ce match de Ligue 1 Uber Eats que nous allons suivre ensemble, le LOSC face au Racing Club de Lens. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les 3 points, point barre. L'équipe locale, qui est, je vous le rappelle, la meilleure défense du championnat. L'entraîneur qui compte évidemment sur cette solidité défensive pour donner confiance au milieu de terrain et aux attaquants. Quand derrière on est calme, ben on est plus serein devant. C'est logique. Lille, qui est un club qui est revenu à la lumière après avoir brillé, particulièrement dans les années 50. Oui, avant même Hervé, puisque dès sa deuxième année d'existence, en 45-46, le club avait réalisé son premier doublé Coupe Championnat. Ils ont dû attendre 2011 pour réaliser de nouveau un tel exploit Coupe Championnat. La composition du LOSC, regardez-la. Une équipe qui va jouer en 4-4-2, un 4-4-2 assez conventionnel finalement. Oui, avec deux joueurs de côté, façon Milan de Sacchi, pour combiner éventuellement avec les attaquants. En regardant la composition de cette équipe, on se dit que l'adversaire va devoir faire face à un gros pressing. Oui, c'est ma première impression en tout cas. De toute façon, c'est un peu sa marque de fabrique d'aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire, donc je ne vois pas pourquoi elle ferait autrement aujourd'hui. Allez, ballon pour les Lillois en ce début de match. Renato Sanchez. Oui, il y a des options dans la surface. On va chercher une solution à l'intérieur du jeu. De prendre l'avantage. Oh, elle passe tout près du cadre, cette reprise. C'était pourtant très bien exécuté, avec un peu de réussite, c'était au fond. Fofana. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Allez, le plongeon là pour les photographes, même si serait quand même le danger était réel. Ouais, enfin, ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même. Corner, le ballon en pleine surface. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. C'est une touche bien placée. Allez, dans le couloir. En position idéale pour centrer. Borak Yılmaz. On cherche une ouverture dans cette défense. Le ballon qui circule bien pour l'instant. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Allez, il faut centrer. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Et ce sera un corner. Ouais,
bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Et corner, hein, ça commence à devenir dangereux. Attention à ce corner. Pas de souci pour le gardien. Ce sera un nouveau corner. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Allez, re-corner. Corner expédié à l'orée de la surface. Il cherche une solution. Oh, quel exploit, il est en train de... Allez, ça peut peut-être se jouer là. Oh là 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 là, il pouvait ouvrir le score là-dessus. C'est pourtant une belle occasion, peut-être trop belle même. Le ballon qui change de camp. Et ça s'est donné comme il faut. La bonne passe dans l'espace. C'est contré. Ouais, dommage d'avoir perdu la balle sur ce contre. Renato Sanchez. Bon, Kilmaz. Le ballon va être en touche. Jonathan Grady, Jean-Louis Leca. On s'approche de la zone de vérité. Renato Sanchez. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. D'utiliser les coordonnées figurant sur le site internet du stade. Merci. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Ça peut être dangereux. Une tête qui finit dans les bras du gardien. Tchelik. Bon, Kilmaz. Oui, en termes de possession pure, c'est vrai, les deux équipes font jeu égal en ce moment. Aucune ne parvient à prendre le dessus sur l'autre, ce qui explique en partie ce score nul et vierge pour l'instant. Ça, c'est très bien défendu. Et Lensois à l'attaque. Il s'est ouvert le chemin du but. Il prend sa chance. Ah, c'est une occasion vraiment de gâcher. C'est quand même pas si souvent qu'on se retrouve seul face au gardien comme ça. C'est une chance. En même temps, quand tu cotes pas, eh ben, tu risques pas de marquer. Bon, Kilmaz. Attention, ça peut devenir intéressant. Et le but! Le premier but du match, le voici! Elle est belle cette action, Pierre, me plaît. Oui, tout part du centre, mais que dire de cette tête, hein.
le réalisateur qui nous remontre ce but. C'est le LOSC qui est devant au tableau d'affichage. Jonathan Grady. L'arbitre a décompté 2 minutes de temps additionnel. Fofana. Jonathan Ikoné. Borak Yılmaz. Il donne par-dessus. C'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Et le match qui reprend à l'instant avec le Racing Club de Lens qui engage cette fois. Fofana. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le ballon n'est pas souvent lillois. Mais c'est pas avec ce pourcentage qu'elle gagne forcément un match. Voilà, je ne sais pas si cette équipe va se contenter de cette avance, mais j'ai l'impression qu'elle laisse un peu l'initiative exprès à son adversaire. Et ça donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Un peu de coaching pour l'entraîneur. Pour le remplacer, le numéro 24, Boubacary Soumaré. Chilik. Jonathan Ikoné. Borak Yılmaz. La passe est coupée, bien défendue. Ils n'ont pas abdiqué. Ils font tourner ce ballon en espérant pouvoir obtenir l'égalisation. Ah, c'est contré. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Il n'y a pas grand monde là pour revenir défendre. Il centre au second poteau. Et il y a bu. Il est sur la trajectoire du ballon, mais ça rentre, hélas pour lui. Aïe, 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 ça risque vraiment de lui trotter un moment dans la tête. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux défendre, tu mets ton corps en opposition et puis ça part du mauvais côté, c'est pas de bol. On voit ce but sous un autre angle. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. On a atteint l'heure de jeu. Chercher une ouverture, bien sûr. Il s'empare du ballon.
Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Allez, le tir ! Allez, le plongeon là pour les photographes, même si serait quand même le danger était réel. Ouais, enfin, ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même. Du mouvement au bord de la touche. Le numéro 18, Yannick Kelzak. À sa place, le numéro 28, Cheick Doucouré. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Oh, il a passé son adversaire direct. Il prend sa chance. Ah non, mauvais tir, ça passe très loin du but. Jonathan Grady, il reste exactement 20 minutes à jouer. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Burak Yılmaz. Benjamin André. Le tir. Oh, c'est contré ce tir. Ouais, il repousse, ça joue. Et cette action qui se termine dans les bras du gardien. Ah, il l'a voulu, hein, il l'a mérité. Hein. Ah ouais, c'est vraiment le travail du gardien qu'il faut mettre en évidence sur cette action. Remarquable. On voit qu'une équipe a décidé de faire bloc devant son but. Benjamin André. Il prend sa chance. C'est sans problème pour le gardien. Fofana. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Fofana. La petite passe en cloche à la parade du gardien. Changement pour le LOSC. Joueur sortant, le numéro 29. Des équipes qui sont en train de se réorganiser et qui procèdent à un changement. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. C'est bien défendu.
Allez, il est passé une fois, deux fois. Le ballon. Et ils sont à la récupération. Kakuta. Allez, allez, ça doit aller au fond, ça. Oh, la parade du gardien à bout portant. Ah, il fallait le sortir, cet arrêt. Franchement, c'est bien joué. Ah, il est bien tiré le corner là. Allez, dans la surface, il y a du monde. Ouais, le but, la réduction du score pour cette équipe alors qu'on jouait les dernières minutes du match. Alors, est-ce qu'on va assister à un petit miracle? Bah, miracle, j'en sais rien, mais j'en connais quelques-uns qui ont intérêt à être sérieux en défense parce que ceux qui viennent de marquer viennent de reprendre espoir grâce à ce but. Allez, on revoit ça pour le plaisir. Le danger arrive avec ce centre et une reprise de la tête qui ne laisse aucune chance au gardien. Du bon boulot. Un petit but d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. 4 minutes, ce sera le temps additionnel. Ah, ils sont pas contents les supporters, hein. Ils auraient préféré entendre le coup de sifflet final, c'est clair. Benjamin André, il n'y a pas grand chose à mon avis à attendre de la fin de cette rencontre. Le côté des passes, c'est assez fluide hein, dans cette équipe. Ouais, je crois que l'entraîneur a beaucoup insisté sur ce secteur de jeu et que les joueurs ont bien assimilé les consignes. C'est terminé. Les supporters qui célèbrent cette victoire contre leur grand rival. Un peu comme s'il s'agissait d'un titre. C'est clair que pour eux, c'est le match le plus important de la saison. Une courte victoire, mais victoire quand même. Hein. Les 3 points qui font du bien du coup.